Meilleurs voeux à tous. On descend, c'est beaucoup plus facile, mais c'est toujours aussi étroit. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog 2019, meilleurs voeux à tous. Aujourd'hui, je profite d'avoir 2 heures de temps libre entre 2 rendez-vous. Donc, je profite qu'il n'y a pas beaucoup de vent pour pouvoir sortir le drone. Aujourd'hui, on va prendre un petit peu de hauteur dans des endroits tout à fait réglementés. Petite parenthèse, parce qu'on me demande souvent comment je fais pour trouver des endroits pour pratiquer le drone de loisir. Déjà, je vais sur le site Géoportail qui régit un peu les lois du drone de loisir. Vous tapez l'adresse, vous avez une carte assez interactive. Mais comme j'ai l'impression qu'elle n'est pas forcément mise à jour régulièrement, j'utilise l'application gratuite Géodrone qui permet en temps réel de savoir les zones et les hauteurs autorisées. Alors pour accéder au dernier étage, c'est vraiment très étroit. Et voilà, on a des points les plus hauts. Je vais vous faire profiter du spectacle. Pour ceux qui ont le vertige, c'est vraiment pas le bon endroit. Ah, c'est bon, j'en ai plein les yeux. Il est temps de redescendre. Pour descendre, c'est beaucoup plus facile, mais c'est toujours aussi étroit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à venir ici à l'office du tourisme. Franchement, pour 3,50€, c'est vraiment une superbe vue à faire découvrir à vos amis, à votre famille. On a vraiment un panoramique incroyable. On pourrait faire des super selfies, des super photos. Nous, on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. À très bientôt.